عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Allah vous récompense infiniment pour ces moments qui durent, ces moments qu'on passe tous ensemble. Que Allah aussi vous protège, que Allah fasse que ces moments durent, même après bi'idhnillah le confinement et surtout dans le Firdaws al-A'la. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nous voilà à la troisième partie de l'explication de Sourate Taha, cette sourate qui nous parle de Moussa alayhi salatu wassalam, qui nous évoque la grandeur d'Allah aussi. Cette sourate permet l'admiration d'Allah azawajal. À nous aussi de mettre cette intention quand on écoute le tafsir du Coran. Qu'Allah Azzawajal nous aide dans la compréhension, qu'Allah fasse que ces versets puissent pénétrer dans notre cœur. Et, Inch'Allah, celui qui médite les versets, médite les paroles d'Allah et se rapproche en même temps d'Allah Azzawajal. C'est bien d'avoir une proximité avec le Coran pour avoir une proximité aussi avec son Seigneur. Et puis quand on comprend mieux le Coran, on sait aussi ce que Allah Azzawajal attend de nous et on œuvre en conséquence. On va méditer aujourd'hui, on va faire le voyage à travers Sourate Taha entre les versets 49 aujourd'hui et les versets 76. Alors je rappelle que cette sourate, c'est la 20e sourate du Coran et elle comporte 135 versets, un petit peu plus que Sourate Hud. Et on va arriver aujourd'hui quasi à la moitié du tafsir de cette sourate. Donc vous voyez, mashallah, que quand on voyage et qu'on prend la peine de s'arrêter à différentes stations, eh bien, on en oublie la longueur du voyage, la durée du voyage et on savoure, subhanallah. N'oubliez pas qu'il faut prendre des souvenirs dans un voyage. Alors à nous de prendre des souvenirs comme les souvenirs de Sourate Hud. Je pense que maintenant, vous avez pris vos petits souvenirs et puis gardez-les aussi. C'est bien de se remémorer les souvenirs d'une sourate, les souvenirs... d'un chapitre, les souvenirs aussi des leçons que nous ont donné ces prophètes et ces messagers. Vous allez voir aussi que c'est à peu près la même chose, subhanallah, à chaque fois. L'adoration d'Allah, l'istighfar, ça revient très très souvent. Mettez l'intention qu'Allah azawajal nous aide à la compréhension et fasse que nous soyons aussi ceux qui appliquent et non pas seulement le fait d'écouter. Qu'Allah vous récompense infiniment. Je voulais vite fait rappeler, et je le rappellerai un petit peu plus tard aussi, vous pouvez commencer à partager le live. Ce soir, il y a un live justement à 18h qui est exceptionnel. S'il vous plaît, faites de votre possible, faites de votre mieux pour venir écouter ce live. Ça sera la ville de Médine. C'est juste, mashallah, excellent, le reportage avec Ahmed Shqiri. Cet homme, mashallah, exceptionnel aussi, qu'Allah lui a donné ce don de voyager dans différents pays et de faire ressortir les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements aussi coraniques. Il nous fait voyager sur terre dans différents pays et, mashallah, il nous amène à la méditation et à la réflexion. Ensemble ce soir pour un voyage vers Médine la douce. C'est bien de se remémorer aussi ce lieu sacré que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé, que le prophète alayhi salatu wassalam va bâtir la première mosquée. Ce soir, le live à 18h, qu'Allah récompense infiniment toute l'équipe qui a œuvré pour le montage, qui a œuvré également aussi pour la traduction, puisque le reportage est en arabe, mais il est juste exceptionnel. Allahu Akbar, je vous invite à y participer. Sourate Taha. Donc les deux lettres qui restent un secret pour nous,
Ce n'est pas un secret pour Allah, mais Surat Taha, ce sont deux lettres secrètes. Seul Allah Azzawajal en connaît la signification. On s'était arrêté hier avec l'arrivée de Harun en tant que messager choisi par Allah Azzawajal à la demande de Moussa alayhi salatu wassalam. Il allait affronter l'homme qui se prenait pour Dieu sur terre en Égypte, l'ordre mondial en Égypte. Et Moussa alayhi salatu wassalam avait considéré cette tâche. Il lui avait donné, subhanallah, il savait que c'était une responsabilité. Il savait que c'était une grande responsabilité et que ce n'était pas une tâche facile. Alors il a demandé l'aide d'Allah azawajal et il a demandé aussi que cette aide soit à travers Harun, son frère. On a vu ensemble le dialogue échangé entre Allah et entre Moussa alayhi salatu wassalam, avec les souvenirs, les bons souvenirs, les souvenirs où Allah azawajal prenait soin de son serviteur Moussa alayhi salatu wassalam. Et comme Allah azawajal a été celui qui a pris soin de Moussa et aussi de Harun, eh bien il prend aussi également soin de nous. Et il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est Al-Wadoud aussi par son nom, celui qui a un amour excellent et pur et qui veut que, à travers son nom Ar-Raouf, qui veut que ses serviteurs se rapprochent de lui, alors il fait en sorte qu'ils se rapprochent par des biens, par la foi, par la crainte, par le repentir, par l'humilité. Masha'Allah, c'est juste exceptionnel l'amour qu'Allah a voué à Moussa alayhi salatu wassalam, puisqu'il lui dit « Je t'ai créé pour moi, pour que tu sois à mon service également ». Alors soyons aussi comme Moussa alayhi salatu wassalam au service d'Allah. Dans le fait d'avoir un bon comportement, parce que le bon comportement est une manière ambassadrice de transmettre un message. Notre comportement véhicule aussi la communauté, puisque Allah azawajal dit « Waja'alnakum ummatan wasatan » et nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Il faut absolument qu'on soit des ambassadeurs de l'islam, des ambassadrices de l'islam, comme l'a été Moussa et Pharaon, puisqu'ils vont échanger, ils vont témoigner aussi de leur foi, de leur crainte et de leur bon comportement. À nous d'être à l'exemple de ces prophètes et de ces messagers du mieux qu'on peut. Mais nous avons une responsabilité parce que, puisqu'on s'est engagé à faire partie de cette communauté, à dire « La ilaha illallah », nous devons aussi être à l'honneur de ce message. Le bon comportement, je le rappelle, le prophète